Bonjour, je suis Céline du blog May by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour le 41e épisode de mon podcast et ce sera un podcast tricot. Bon, pour celles qui ont suivi mon épisode, le dernier épisode couture, je vous disais que j'avais pas mal tricoté et que j'avais plusieurs projets finis mais que j'avais un peu la flemme de tourner, donc voilà, je me suis motivée aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai plusieurs projets terminés, j'ai plein de projets en cours. Certains qui me motivent plus que d'autres, je dois dire. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer, je vais vous dire aussi que je ne ferai plus vraiment de montage. Vous savez, je mettais des parties là, des informations, etc. Je vais arrêter parce que en fait, ça me prend beaucoup de temps déjà. Bah, ça me prend le temps de l'épisode, hein, parce qu'il faut que je le re-regarde en fait depuis que j'écris. Je fais déjà les notes sur le podcast et en plus pour le tricot, j'essaye de maintenir ma page Ravelry à jour. Je dis bien j'essaye parce que c'est pas toujours très concluant. D'ailleurs pour les projets en publiant les notes du podcast, je vais mettre à jour parce que je crois que je suis pas du tout à jour là-dessus. Et donc voilà, donc je pense qu'entre les notes du podcast et les pages projets sur Ravelry, vous avez vraiment toutes les informations sans que j'ai besoin de rajouter ça là. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Voilà, aujourd'hui on est samedi matin. Alice et Julien sont au parc. Et moi je vais essayer d'aller courir après. Donc on va commencer tout de suite. Alors mon premier projet terminé, je vous l'avais montré à peine commencé la dernière fois. Il n'est pas bloqué, donc il y a encore des petits fils là en honte quoi. J'ai pas mal tricoté, mais alors j'ai une flemme de bloquer et en fait le problème c'est que quand j'ai eu terminé la plupart de mes projets, on est arrivé. Bah déjà c'était l'hiver d'abord, janvier, février, tout ça. Donc ça sèche mal. C'est chiant de laisser ça comme ça pendant des jours et que ça sèche pas bien et tout ça. En plus, moi le problème c'est que je peux pas trop laisser à bloquer dans mon salon. En tout cas pas pendant des jours parce qu'en fait Alice est là et je suis pas trop fan du fait qu'il y ait des peignes de blocage à proximité d'Alice, vous voyez. Parce que même si normalement elle sait qu'il faut pas y toucher, c'est quand même dangereux donc je préfère pas trop. Donc voilà, donc ça. Ensuite, on enchaînait sur le confinement. Alors là, évidemment, Alice était là tout le temps. Donc même s'il a fait beau, c'était pareil, avoir des peignes comme ça, c'était pas très pratique. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a qu'un seul des trois projets terminés que je vais montrer qui est bloqué. Donc vous allez voir des petits fils qui se baladent, c'est normal. Alors, le premier projet que j'ai terminé, c'est le pull 13KO de Elong avec Anna. Je vous en parle un peu, après je vais l'essayer pour vous montrer. Donc c'est un pull court. Voilà, cropped, comme on dit. Plus long derrière que devant. On façonne l'arrière avec des rangs raccourcis pour qu'il soit légèrement plus long que le devant. Moi, je l'ai rallongé un petit peu, même s'il est cropped. J'ai rallongé de quelques centimètres. Parce que je voulais pas qu'il soit trop trop court quand même. Les manches, j'ai rien touché, hein, c'est pas comme d'habitude. Et donc, en fait, c'est une forme toute simple et il se caractérise par des raglans avec des petits jetés. Là, qui fait des trous, et puis des tailles de points mousse, notamment en bas des manches, et les finitions aussi sont en points mousse, donc à l'encolure, et puis en bas, on a aussi un petit peu de points mousse, vous voyez, là on voit que le dos dépasse légèrement du devant, mais c'est, ça fait pas un gros rond comme ça, hein. C'est pas une forme liquette, mais et voilà, je retire le micro, je vais l'essayer, parce que j'ai mis le micro, j'y ai pensé. Alors d'abord, pour les gens qui m'écoutent dans les deux podcasts, je voudrais m'excuser pour le son du podcast Couture, en le réécoutant pour justement faire les commentaires, le montage. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des variations de son très importantes. Oui, c'est ma façon de parler. J'essaye de me corriger, notamment parce que je parle assez souvent en public. Donc du coup, j'essaye vraiment de corriger ça, mais ce n'est pas facile à corriger. Donc j'essaye de compenser un peu avec le micro, mais parfois les mauvaises habitudes reviennent à la surface. Voilà, donc je voulais m'excuser pour ceux qui ont été gênés à l'écoute du podcast Couture. Je retire le micro pour être enfilé. Donc voilà, donc là j'ai mis en dessous, c'est un calcium que je porte tout le temps. Voilà.
Donc, vous voyez, il est court. Attends, est-ce que je vais pouvoir me reculer assez? Voilà, donc il est assez court. Vous voyez, mon jean arrive. Bah, mon jean arrive. Il arrive en haut de mon jean, en fait. Mon jean arrive là. C'est pas ça. Et donc, du coup, moi, j'aime bien le porter comme ça, en superposition avec un petit débardeur blanc. Je ne l'ai pas énormément porté, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur aussi. Je vais finir de vous en parler, justement. Donc, très facile à faire, hein, totalement accessible à des débutants et gratuit, puisque c'était Anna l'a offert l'hiver dernier, enfin à Noël à peu près. Donc, il est gratuit. Donc, ça, c'est super et donc vraiment très accessible à des débutants, une forme très sympa. Et la laine, c'est de la Sauquier Deca. C'est de la Deca. De la Deca fine. Et je l'ai acheté chez Atelier Moondust quand je suis allée à Bruxelles. Et c'est le coloris Moselle. Pareil, vous retrouverez toutes les informations sur Ravelry. Sauf la taille d'aiguille, parce que je me souviens plus. Je crois que je l'avais dit la dernière fois. Il me semble que c'est du 3,75 ou du 4. Il faut vraiment que je fasse plus attention à ça. Toutes mes excuses. Mais donc voilà, un petit pull ultra rapide à faire, parce que court déjà, des cas, donc ça va plus vite que du fingering. Et en plus, qui est sympa, parce que du coup, entre d'abord les raglans à trous-frous, ça rythme un peu. Après, le corps est super rapide, puisque court, n'est-ce pas? Et les manches, pareil, entre les diminutions tout du long et après la partie en point mousse, ça rythme pas mal. Donc c'est bien. J'étais contente de le faire, ça a été rapide. J'aime bien la couleur, je trouve que ça me va plutôt bien. Voilà. Ce que je vous disais, c'est que par rapport à d'autres laines que j'avais pu acheter dans le passé, celle-ci est légèrement rouge, en fait. Et donc, du coup, c'est plus des couleurs comme ça, chaudes, que un violet, violine, lit de vin, qui me va bien. Voilà, donc c'était le premier projet terminé, que je vais retirer parce que j'ai chaud. Voilà, hop, trop de bruit. Il a l'air de faire meilleur aujourd'hui. Bon. Normalement, demain, je vais à un barbecue. D'ailleurs, je vais à un barbecue demain en Normandie. Je prendrai peut-être un de mes pulls, voyez, quand même. Ça, c'était le premier projet terminé, je vais y arriver, de Along avec Anna. Le deuxième projet terminé est également de Along avec Anna. Vous savez que j'aimais quand même mes créatrices fétiches. Anna, clairement, en fait partie. Atelier Émilie. Isabelle Kramer, j'aime beaucoup aussi. Marie-Amélie. Donc j'aimerais bien découvrir d'autres créatrices. Donc, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Alors, le deuxième projet terminé, c'est mon pull Cocoon. Alors là, il était plié, hein, donc du coup, c'est pour ça les flots plient. Et il n'est pas bloqué. C'est celui qui n'est pas bloqué. Voilà. Donc, c'est le pull Cocoon de Along avec Anna et qui a été publié dans le magazine Voulez-vous de Marie-Amélie. Le duo, c'est Anna et Tôt le matin Yarn. Et donc, il avait fait des kits aussi avec les couleurs qu'avait utilisé Anna pour faire son pull. Moi, j'ai utilisé des couleurs que j'avais en stock, qui sont toutes mes couleurs préférées, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez avoir ma palette de couleurs préférées, vous avez ça. Donc, une sorte de corail, un rose poudré. Alors, vous savez que maintenant, j'essaie d'éviter le rose poudré, mais ça n'empêche que c'est une couleur qui me plaît. Donc, du coup, c'est une couleur que j'ai mis loin de mon visage. Comme vous voyez, il n'est pas proche de mon visage. Et ce jaune, c'est ma couleur préférée. En vrai, de toutes les couleurs, c'est celle-là, ma couleur préférée. Et donc j'avais en stock trois écheveaux solitaires de fingering. Et normalement ils se tricotent en déca. Et donc j'ai fait la même chose que Anna. J'ai tricoté avec un fil de fingering et un fil de mohair. Mais j'avais les écheveaux de fingering. Je n'avais pas le mohair. Donc j'avais fait une commande chez Chester Wool et très gentiment mes copines les crâneuses. Excusez-moi, c'est le mohair qui me gratte le nez. Mes copines les crâneuses m'ont aidé à teindre le mohair assorti à chacune des couleurs de fingering que j'avais. Et je dois dire que
C'est juste magique de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que je suis arrivée avec mes trois échevaux de fingering et puis elles m'ont fait le mohair assorti, c'était parfait, et voilà, c'était top. Top, top, top. Donc j'ai pu utiliser mes trois échevaux solitaires de mes couleurs préférées qui attendaient telles des malheureuses dans mon stock depuis longtemps. Donc voilà. C'est un pull bottom-up, donc qui se tricote du bas vers le haut. Voilà, les manches sont reprises sur le côté en forme boxy très classique. Alors, deux petites choses à vous signaler. D'abord, il y a une erreur dans les... Il y a plusieurs erreurs dans les instructions du magazine. La taille d'aiguille n'est pas la bonne, a priori, m'a dit Anna. Ensuite, au niveau des mailles à remonter, au niveau des manches, il me semble qu'il y avait une erreur. Je ne sais plus s'il y en avait beaucoup trop indiqué ou pas du tout assez, mais en tout cas, il y avait une erreur. Et même en essayant de corriger, alors peut-être que ça va se résoudre un peu au blocage, mais les manches sont extrêmement étroites. Et quand je dis extrêmement étroites, vraiment serrées, vous allez voir, je vais l'enfiler, c'est moulant. Donc je vais essayer au blocage de... Vous voyez? Mais on va voir ce que ça donne. Je vous l'essaye. Mais je vais le bloquer, je vais essayer de le bloquer ce week-end. La fille pleine de bonnes intentions. Hop. Peut-être si je le mets à la machine. Hop. Et c'est pareil au niveau de l'encolure, j'ai dû refaire parce que c'était trop serré. Alors, voilà, pareil, il n'est pas très très long, c'est pareil, je vais peut-être essayer de le tirer un peu au blocage. Voilà, il est légèrement boxé, mais pas trop. Et oui, et les manches, ouais, c'est moins pire que je me souvenais, vous voyez. Alors, j'ai perdu des bras, je ne pense pas. Mais bon, elles sont quand même bien moulantes. Hein. Donc, moi, je vais essayer de les détendre un peu au blocage, voir ce que ça donne. Mais je vous conseille potentiellement de remonter le nombre de mailles de la taille supérieure à la vôtre pour gagner un peu en aisance. Voilà. Mais moi, j'aime bien. Donc, du coup, vous voyez, j'ai fait en sorte de ne pas avoir le rose pâle à côté de mon visage parce que c'est pas la couleur qui me flatte le plus au teint. Je trouve. Et si je mets ça comme ça, moi je trouve ça moins joli que avec une couleur un petit peu plus soutenue au niveau du visage. Donc j'ai fait plein de dessins pour voir comment répartir les différentes couleurs. Et moi c'est la couleur là que je préfère avoir près du visage. Voilà. Bon, sinon un pull très très simple, pareil, accessible aux débutantes. Hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est du jersey. Donc c'est assez simple, mais j'aime beaucoup. Hop là, j'aime beaucoup ces couleurs. Et je pense que ouais, je vais le bloquer comme ça au moins il sera. Déjà je pourrais couper les fils. Et je les ai rentrés quand même. Hein. Dixit, celle qui se balade avec un gilet depuis 2 ans où il manque des fils à rentrer. Et donc du coup je vais le bloquer et puis je vais essayer de tirer un peu dessus pour qu'il soit un peu grand, un peu plus grand au niveau des manches notamment. Voilà. Est-ce que c'est pas trop le pull qui met de bonne humeur? Moi oui, en tout cas ça me met de bonne humeur. Ce pull, je pense que je serais absolument ravie de le porter l'année prochaine. Là il est un peu chaud pour maintenant, avec son mohair là, mais je pense que je serais vraiment ravie de le porter l'année prochaine. Voilà. C'était donc le pull cocoon de Along avec Anna. Pardon, dans le magazine Voulez-vous. Et le troisième projet terminé, c'est le pull tour rose. Voilà. On va reparler. De Atelier Émilie. Alors d'abord, je vous parle du modèle. Donc, j'ai été testeuse pour Atelier Émilie. C'est le seul, du coup, projet qui est bloqué. N'est-ce pas? Donc, c'est un projet qui se commence, qui se fait en top-down. Donc, qui commence du haut et qui part vers le bas. On commence par l'encolure, qui est une encolure bateau, avec une bande de côte de torse. Et ensuite, on enchaîne avec le corps, avec cette dentelle là, devant et derrière. Hein, c'est le même, hein, donc vous pouvez le mettre du côté que vous voulez. Exactement pareil devant et derrière. Et voilà, puis des manches montées, reprises comme ça. Moi, j'aime bien cette encolure. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des encolures proches.
trop proche du cou. Moi, j'aime bien. Je trouve ça que change en plus. Voilà. Donc, j'étais ravie d'utiliser, enfin, de tester ce modèle. Et la laine? On en parle ou pas de la laine, hein? Parce que je vous ai seriné pendant tout le podcast tricot précédent que jamais de la vie je retricotais encore une fois cette laine, que j'allais finir mon haco avec cette laine, que j'avais commencé avec cette laine et que, mais que c'était hors de question que je le redéfasse parce que je l'avais déjà tricoté 5 fois. Bon bah en fait ça fera 6, hein, puisque 1, il s'est avéré que j'allais pas du tout avoir assez de laine, confirmé par les expertes du tricicote. Donc ça m'a saoulée, donc j'étais fait. Voilà, 6e fois. Et donc j'ai utilisé pour ce modèle qui est parfait. Et j'ai enfin vaincu la malédiction de cette laine qui est de la Big Bad Yarn, qualité soft. Le coloris, je crois que c'est les Tidbits. J'ai toujours un doute. Je crois que c'est ça. Ou The Impossible Girl, je sais jamais. Voilà. J'ai alterné tout du long puisque comme vous savez dans le passé j'avais des déboires avec des écheveaux qui étaient plus nuancés que d'autres, mais même en alors là je trouve que franchement ça passe totalement. Enfin, je trouve pas qu'il y ait... Après on voit que à ce niveau là vous voyez il y a un petit peu plus de nuances que plus bas. Bon là honnêtement je pense que ça passe totalement. Je vais vous l'essayer. J'étais tellement contente de l'avoir fini ce pull. Parce que cette laine, quand même, c'était un peu. Bon, au moins, on peut dire que la laine tient bien. Hein, parce qu'avec tout ce que je lui ai fait subir de détricotage, on ne peut pas dire que c'est pas de la laine de bonne qualité. Hein, c'est déjà ça. Voilà. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très féminin, cette encolure un peu bateau, là. Comme ça. Peut-être le mettre demain, tiens. Je le trouve vraiment joli. Enfin, cette couleur, moi, j'adore. Il n'a pas été la couleur maudite. Il est un peu plus long. Vous voyez, le haut de mon jean est ici. Hein. Là. Il a de l'aisance, mais il, voilà, il n'est pas boxy, forcément. Les manches sont bien, top. Longue comme il faut. Très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est petit dentelle. Je trouve ça joli. C'est hyper facile à faire. Ça rythme le tricot, en fait, et en même temps, ça prend pas la tête. On peut très bien le faire devant le... Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve cette encolure vraiment jolie. Moi je pense que je vais le mettre 2. Donc voilà, donc je l'ai fini, je sais plus, il devait sortir pour l'AEF en fait, et donc je sais plus quand est-ce que c'était censé sortir, mais il est sorti de toute façon, elle en a même sorti plusieurs depuis, vous voyez. Donc il est largement sorti. Et mais j'aime beaucoup ce pull, je le trouve très sympa. Et puis vraiment, j'étais contente d'avoir enfin fini d'utiliser cette laine. Voilà. Donc un très joli pull, top down. Moi, je l'ai tricoté en, pareil, 3,75 ou 3,5, je sais jamais. Il faut vraiment que je note les aiguilles au moment où je commence mes projets. Hein. C'est vraiment un petit peu ma... Je suis pas très bonne élève sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est 3 projets terminés. 3 projets terminés. Alors, après que j'ai eu fini le pull tout rose, oui, je vous ai pas dit, mais comme j'ai alterné mes écheveaux tout du long, j'ai fait une maille glissée sur le côté, vous savez, parce que je trouve ça plus joli pour alterner les écheveaux de fonctionner avec la maille glissée. Donc j'ai fait ça là. Est-ce que j'ai fait ça sur les manches? Je pense que oui. Oui, si. C'est vraiment la technique que je trouve la plus propre pour alterner les écheveaux, parce que moi je suis vraiment nulle pour alterner les écheveaux, donc c'est la technique que j'ai trouvée qui est la plus facile et la plus jolie. Donc une fois que j'ai eu fini ce pull tout rose, je vais remettre... J'ai eu un gros passage à vide de tricot, d'ailleurs je ne suis pas totalement sortie, j'ai commencé plein de trucs, j'étais pas trop contente, ça n'avançait pas, voilà, bon. Je suis pas encore totalement relancée du tricot, je dois vous dire, d'où aussi un petit peu ma flemme jusqu'à présent de tourner le podcast. J'ai re-rempli mon stock de laine. On a fait une grosse commande chez Chester Wool, mais c'est de la laine à teindre. En fait, oui, j'ai eu un premier passage à vide parce que j'avais plus grand-chose en stock. Pas mal hein, dans l'absolu, mais c'est tombé en plein confinement. Et donc, du coup, moi qui étais partie sur « Oui, non, mais j'achète la laine pour la tricoter tout de suite. » Bah là, on pouvait pas acheter de laine. Et donc,
Donc c'était un petit peu embêtant. Ce que j'avais en stock m'inspirait pas des masses. Voilà. Donc j'ai eu un gros passage à la vide là-dessus. Et depuis le déconfinement, bah, j'ai eu un peu de mal aussi à m'y remettre. Je sais pas, j'étais plus couture. Il commençait à faire super chaud déjà, parce que pendant le confinement, il a fait super beau et super chaud. Donc je sais pas, le tricot, j'étais pas trop dedans. Et voilà. Donc là, j'ai repris un peu le tricot. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Et ça revient doucement. D'ailleurs, j'ai monté un projet hier. Alors, je vais vous montrer un premier projet. C'est un cardigan. Et en fait, c'est un cardigan qui a une histoire un peu. En fait, j'avais en stock, voilà, ça va être le bazar, j'avais en stock ces écheveaux de T'es belle au naturel avec un peu de Stellina, de Léna Mouret. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, j'avais essayé de tricoter, j'avais essayé de tricoter une Lazy Stole dans ces écheveaux et puis j'étais pas trop contente parce que ils sont très jaunes, enfin ils sont très écrus. Très très écru, on va dire, et je l'ai trouvé un peu, je trouvais que ça faisait un peu trop jaune, un peu trop. Moi j'ai beaucoup de mal avec la laine naturelle en fait, je trouve ça souvent trop jaune. Donc je me suis dit, bon bah pour compenser un petit peu, je vais les associer avec du mohair blanc, c'est du mohair de chez Rico Design que j'ai acheté à l'atelier de la création. D'ailleurs, coucou à la gentille dame qui m'a croisé, que j'ai croisé l'autre fois quand je suis à l'atelier de la création et qui regarde les podcasts. Voilà, donc je me suis dit, bah, je vais les mettre ensemble, comme ça, ça va atténuer un petit peu le côté un peu trop jaune de celui-là, et puis avec ce mohair. Je cherche, j'avais pas envie de refaire un Black Barlow, parce que j'en ai déjà fait deux, parce que j'ai feutré en fait le Black Barlow que j'avais fait dans ces teintes-là, écru et blanc. Et donc du coup, je voulais avoir un gilet un peu comme ça, un peu boîte, un peu large en blanc et enfin écru. Et mais je trouvais pas exactement ce que je voulais. J'avais envie d'un motif, mais j'avais pas envie de refaire le Black Barlow parce que bon, troisième Black Barlow, merci. Hein. Voilà. Donc j'étais un peu, je cherchais, je trouvais pas. Bon. Je me suis dit, bah c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je vais essayer de. Comme j'avais une idée de ce que je voulais, du motif sur le corps et tout ça, et bon. Je me suis dit, excusez-moi, je défais en même temps les nœuds. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver un modèle tout uni qui ne soit pas le Black Barlow, parce que j'en ai marre de faire le Black Barlow. Et que je voulais aussi un avec la bande d'encolure intégrée. Et puis, je vais essayer de rajouter un motif par-dessus, machin. J'avais épinglé un modèle qui me plaisait beaucoup du commerce et du coup j'ai pris le No Frill Cardigan. J'avais trouvé la dentelle du modèle du commerce que j'aimais bien. J'avais trouvé le motif qui allait avec, enfin, le diagramme plus précisément de la dentelle en question, mais j'arrivais pas du tout à positionner en fait le diagramme parce que comme en fait ça commence comme ça s'élargit jusqu'à la séparation du corps des manches où là c'est tout droit, mais pour faire le début j'arrivais pas et donc du coup très 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 gentiment ma copine Caro m'a fait la grille de tout le début voilà, jusqu'au corps. Donc maintenant j'ai mon gilet qui n'existe que pour moi, c'est le No Frill Cardigan où donc Caro m'a rajouté le motif de dentelle. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je peux l'enfiler puisque j'ai avancé, j'ai passé la séparation du corps et des manches. Voilà, donc là, j'ai des fils qui se mettent de ce côté. Voilà, et donc du coup, il est beau, hein. Je le trouve super joli. Alors moi j'adore la bande d'encolure intégrée. Je trouve ça beaucoup plus délicat comme finition. En fait j'aime pas du tout quand on remonte les mailles là et puis qu'on fait les côtes souvent comme ça. Je suis pas fan, de moins en moins fan on va dire. Je trouve ça beaucoup plus joli d'avoir la bande d'encolure intégrée. Voilà. Avec les manches aussi là. Donc j'avance doucement, vous voyez. J'avance doucement parce que comme c'est une dentelle, y a des fois j'en ai marre ou j'ai pas envie de regarder le. Même si elle est ultra simple, hein. C'est une dentelle sur 8 rangs, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui était compliqué et qu'elle m'a fait avec brio, c'était là au niveau de l'augmentation raglant, de placer le motif pour que miracle pour moi, truc que j'avais incapable de faire,
pour que au niveau de la séparation, enfin de du où on rejoint là, ça arrive le motif en continuité et tout. J'étais trop contente, j'arrive à la séparation du corps et des manches. Je fais le premier rang, là je me dis, elle est trop forte. Ça tombait un pec-pec. Donc j'étais très contente. Plus je le. Vous voyez, ça faisait longtemps que je n'avais pas essayé, bah, ça me donne envie de le recommencer là. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve super joli et féminin. Je pense que je vais bien aimer. Alors en plus, je pense que quand la dentelle se sera un peu détendue, ce sera encore plus beau. Voilà. Ouais, il faut que je reprenne. Tiens, je vais le taper des il est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, il est en cours. Voyez. Donc le nez offrit le cardigan, mais avec un twist de dentelle partout. Hein, il y a de la dentelle partout. Trop, trop, trop beau. Voilà. Ouais, tiens, ça me donne envie de. C'est rigolo, comme quoi. Ça faisait deux, ça fait quelques jours là que je l'avais pas. Tricoter, mais là j'ai bien envie. Oui. Comme quoi, des fois il faut les essayer. Ça donne envie de les continuer. Comme justement j'avais un peu mis de côté celui-là, et que en fait j'ai commencé un gilet curcuma, là que je vous montre pas parce que je l'ai un peu mis au dodo. Curcuma de Marie-Amélie. Et comme celui-là j'avais mis un peu de côté, je me suis dit, oh bah j'aimerais bien avoir un modèle. Je vais juste faire une pause parce que je voudrais vous montrer la photo du modèle. Oui, je voulais vous montrer la photo du modèle. Donc oui, je voulais un modèle tout simple en jersey et tout, qui prenne pas la tête. Hop, celui-là je pourrais pas l'essayer, je peux remettre le micro. Qui prenne pas trop la tête à faire. Donc j'attendais, je trouvais pas forcément j'avais pas forcément d'idée. Et en fait, Émilie a sorti le pull chamallow. Là, qui est un pull en fait top down avec donc un joli col V et puis en surie. Et moi de la surie j'en avais en stock. Et qu'est-ce que je n'ai pas en stock? C'est ça la question qui se pose. Mais j'en avais du teint que j'avais teint lors de la dernière session teinture avec mes copines. Mais alors moi le problème de la surie, c'est que je n'ai jamais l'échantillon. Je tricote lâche de base, mais j'aime pas ce qui est déjaugé. Or, la surie est très souvent tricotée déjaugée dans les modèles, et c'est vraiment pas mon truc. Donc, du coup, bah, j'avais essayé la Cumulus Blues, etc., etc., mais ça marchait pas. Et donc, du coup, bah, là, je vois qu'elle sort ça. J'aimais bien la forme, moi, les col V, j'aime bien ça, et j'ai essayé et j'avais pile poil l'échantillon. J'étais trop contente. En 360, en 325. Voilà, oui, 3,25. Et donc je l'ai commencé hier, donc il est tout commencé, mais bon, pas grand-chose hein, pour le moment. C'est donc le dos. Pour l'instant, on voit rien. Donc vous voyez, c'est du top-down, oui. On tricote d'abord le dos, on fait des rangs raccourcis. Vous voyez, là, on a des petits marqueurs pour là, on va récupérer les mailles pour le devant. Voilà, on tricote une certaine longueur. Voilà, on va mettre les mailles en attente ensuite du dos, on reprendra pour faire les devants, on rejoindra tout ça, et puis voilà. Donc tout ça, vraiment une construction on ne peut plus classique, mais je suis bien contente de pouvoir utiliser ces écheveaux. Alors vous voyez que c'est pas une matière très dense, hein, c'est pas fait pour être très dense, mais c'est moins déjaugé que ce qu'on peut voir habituellement. Moi ça me convient comme rendu, c'est doux. C'est un truc de fou ce que c'est doux. C'est assez chaud, on dirait quand même. Voilà. Et en fait, j'ai trois écheveaux qu'on a teints. Et en fait, celui-là est beaucoup plus. Bah, la couleur n'a pas pris. Vous voyez? Couleur que j'aime beaucoup, comme vous savez. Et en fait, là. Je sais pas si vous allez voir, mais. Ça risque d'être saturé. Mais en fait, il y a des endroits où la couleur a pris plus. Il est beaucoup plus rouge qu'à d'autres endroits. Et surtout beaucoup plus rouge que. Ben là, on voit bien. Il est plus foncé. Oui. Il est plus foncé que. Vous voyez, il est beaucoup plus contrasté que celui-là, par exemple. Donc, du coup, j'alterne, en fait. Parce que, bon, bah, c'est un bon souvenir, quand même, enfin, voilà, cette session teinture. Il n'y a pas que je mette sur le micro. Donc, oui, on voit qu'il y a des endroits où ça fait comme des traits. Mais franchement, c'est pas choquant et je me dis que si j'alterne tout du long, ben, au moins comme ça donnera un rendu un peu uniforme. Alors, voilà. Puis de toute façon, c'est un pull que je porterai essentiellement
Chez moi, je pense. Voilà. Il y a des endroits où on voit des petits traits. Des petits mouvements. Ici, là. Et là. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça doux, c'est fou. Donc, ça va comme ça, en fait. C'est dans le dos. Et tout à l'heure, je pense que je vais finir le dos, là. Enfin, là où il faut. En fait, c'est dans ce sens-là. Je dis n'importe quoi. Comme ça. Je vais finir la hauteur qu'il faut pour faire le dos et ensuite je vais reprendre les mailles pour le devant. Voilà. Je pense que je vais prendre ce tricot-là pour demain. Puisque c'est un barbecue avec les gens du Tricicote et donc du coup les tricots sont évidemment les bienvenus, je pense. Et donc je vais prendre ça, c'est facile. C'est du jersey. Donc ça va. Je devrais m'en sortir. Mais même après un mojito, je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà, donc les deux projets qui sont en cours, c'est le no-frill pimpé grâce à Caroline et puis le pull chamallow de Atelier Émilie qui vient de sortir. Alors, je vous ai pas dit, mais le no-frill, je tricote en 3,75, vous voyez. Alors que c'est un équivalent des cas, donc comme je tricote lâche, je descends toujours d'une taille d'aiguille. Pareil, le chamallow, normalement, il est en 3,5, moi j'ai descendu d'une taille d'aiguille. C'est voilà. C'est comme ça. Après, il faut savoir adapter en fonction de la manière dont on tricote, mais c'est pas méchant. Bah voilà, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Ça arrive, ce n'est pas très grave. Je vous montrerai mes achats de chez Chester Wool quand je les aurai teints. Normalement, on a une session teinture qui devrait s'organiser, je sais pas trop quand, mais voilà. Donc je vous montrerai quand ce sera teint, parce que pour l'instant c'est blanc. Donc voilà. Mais j'ai acheté pas mal de trucs, hein. J'ai acheté l'équivalent de 7 quantités pulls, vous voyez. Donc j'ai largement... Ça faisait 30 minutes. Oui, je vous disais que j'ai plein de choses que j'ai achetées chez Chester Wool. J'ai de la déca, j'ai deux quantités plus de déca, j'ai de la suri lace pour aller avec un fingering. J'ai plein de fingering. J'ai au moins deux quantités pull fingering single. J'en ai une en retordue. Voilà. J'ai plein de choses. Je sais pas du tout quelle couleur je vais les teindre. Je suis quelqu'un qui change très très souvent d'avis en la matière. Donc, j'ai bien le temps de changer 10 fois d'avis avant la session de teinture. Donc, mais il faut que j'essaye de regarder ça parce que j'aimerais bien avoir au moins une quantité pull de chaque épaisseur de laine de teinte. Comme ça me permettra d'avoir du choix, notamment pour tricoter cet été. Je pourrais choisir un peu ce que je veux, ça sera bien. Ah oui, puis j'ai reçu aussi adorable Pauline de chez Pauline Anis, ne tricote plus trop en ce moment. Et donc elle m'a envoyé des écheveaux, voilà, en cadeau. C'était magique, c'est magique. Donc du coup j'ai aussi récupéré un peu des écheveaux de là. Donc c'était bien. J'ai plein de choses à réfléchir en projet. Après, mon problème, c'est que c'est vraiment... faut vraiment que je vois comment je vais faire parce qu'en fait, je suis vraiment tellement process par rapport au product en tricot que j'adore porter mes tricots faits, hein, c'est pas la question, mais bon, je sais pas. Je sais que j'ai des copines, ça gêne pas du tout d'en avoir plein, une trentaine, une quarantaine de tricots faits main. Mais moi, je sais pas si j'aurais forcément l'usage d'autant de tricots faits main. Après, je risque de télétravailler davantage dans le futur. Là, je télétravaille toujours. Mais même cet hiver, je pense que je risque de télétravailler un peu plus. Je sais pas. Je sais pas du tout. Faut que je réfléchisse. Parce que moi, j'aime bien tricoter. Plein. Je ne veux pas imaginer. C'est pour ça que j'étais tellement frustrée de plus avoir envie parce que... Enfin, c'était bizarre. C'est vraiment... je pense que toutes les filles qui font du do it yourself, tous les garçons aussi, bonjour messieurs, passent par ces moments-là de j'ai envie de faire, mais je sais pas trop quoi. En même temps, je me dis, je vais pas me forcer quand même à tricoter ou à coudre. C'est ridicule. Voilà. Et en même temps, voilà, quand je fais pas, ça me frustre. Donc, je sais pas, faut que je trouve un truc. Je me dis que pour le 50e épisode de mon podcast, qui approche, hein, jamais que 9, ou pour comme ça, même sans raison particulière, je ferais peut-être un concours. J'ai des écheveaux pour tricoter un châle.
quatre échevaux solitaires pour tricoter un châle. Je lancerai peut-être un appel à, pour le tricoter pour une d'entre vous, en fait. Vous choisirez le modèle, hein, un modèle à quatre échevaux, et puis je vous le tricoterai, si ça vous tente. Après, je me dis que je le ferai plutôt sur Instagram, parce qu'en fait, les gens qui m'écoutent, ils tricotent. Qui écoutent ces podcasts tricot, ils tricotent. Donc, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Enfin, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça pourrait vous intéresser ou intéresser des amis à vous qui ne tricotent pas. Que je tricote un châle comme ça, hein, pour le plaisir, je l'offrirai, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous me direz. Bah écoutez, je vais arrêter là maintenant. j'ai été bien contente finalement de me lancer pour le podcast tricot. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je ferai un prochain podcast maintenant, ni tricot, ni couture. Parce qu'en fait, je l'ai dit dans mon précédent podcast et puis sur Instagram, mais on a trouvé notre futur appartement, donc ça c'est super cool. Mais ça veut dire qu'on a quelques petits travaux de rafraîchissement à faire dans notre appartement actuel, avant de le mettre en vente. Je regarde parce que je vois qu'il y a pas super propre. Je vais nettoyer. On a quelques petits travaux de rafraîchissement. Typiquement, le week-end prochain, on voudrait faire quelques petits travaux de rafraîchissement dans la cuisine et la salle de bain et tout ça, pour que ça soit propre pour la mise en vente. Et puis après, je pense qu'on aura des visites le week-end. Donc, je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de retourner un épisode. Peut-être plutôt pendant mes vacances, peut-être. Je pars en vacances en août. Donc, voilà. Et si je voulais vous poser une question aussi, c'est une idée qui m'est venue comme ça, liée au déménagement aussi un petit peu. C'est une question, oui. Je voulais savoir si vous savez s'il existe un moyen, une plateforme, un groupe Ravelry ou autre pour qui recense les tricotés, rendez-vous tricot dans les différentes communes. Et où les tricoteurs, couturières, couturiers, tricoteurs, tricoteuses dans les différentes communes. Je dis ça parce que je vais changer de ville. Alors évidemment que je continuerai à aller au Tricicote, hein, la question n'est pas là. Mais si je peux rencontrer des gens de ma future commune par ce biais, je serais ravie. Voilà. Donc si vous connaissez ce genre de plateforme, groupe, je ne sais pas quoi, ce sera avec plaisir si vous pouvez mettre en commentaire. Ce sera top. Bon, ben voilà, je vous fais un bisou et puis à bientôt.